asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous ne vieillirons jamais de l'autre côté. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Comme vous le savez, and as you know, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. It is 5 years that they are married. C'est une grande nouvelle pour nous. And it's great news for us. Amen. 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 Depuis le 24 août 2019. Since the 20 August 2019. Le 24 août. The 24 August. 2019. 2019. Jusqu'au 24 août 2024. Until the 24th August 2024. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés. It's been 5 years that they've been married. Et hier. And yesterday. Il y a un ami qui m'a demandé. There was a friend that asked me. Et dans les 5 ans, tu l'as même pas giflé. And in the 5 years, I slept her. Je dis non, je ne pense pas que ça viendra. I said no, I don't think it will ever happen. Parce que Dieu m'a donné une très bonne femme. Because God has given him a good woman. Une chrétienne. A Christian. Amen. Amen. Et je crois que nous allons continuer à être comme ça. And I believe that we'll continue like jusqu'à that. Ce que le Seigneur reviendra. Until the Lord shall come back. Parce que nos mariages à nous. Because their marriage. Nous qui avons cru au message. That have believed in the message. Nos mariages à nous. Our marriage. C'est le type du mariage de Jésus-Christ avec son épouse. Amen. Donc ce sont des mariages qui doivent être parfaits. So it's marriages that must be perfect. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui. You cannot get married today. Et puis dire demain. And say tomorrow. Que je crois que j'avais commis une erreur. That maybe I made a mistake. Non. No. L'erreur que tu as commise, the mistake that you have made, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Is that you're not born again. Mais si tu es né de nouveau, but if you're born again, et que tu t'es marié à une fille, and you married a lady, cette fille-là, that lady, devient ta sœur, becomes your sister. C'est ça le message de Frère Branham. And as the message of et tu ne peux pas faire du mal à ta sœur. And you cannot do any harm to your sister. Parce que tu l'aimes. Because you love her. Amen. Amen. Et de l'autre côté, elle sera ta sœur. And on the other side, she'll be your sister. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans un message parfait. So we're in a perfect message. Et aujourd'hui, and today, c'est l'âge des choses superbes. It's the age of the super things. Les choses qui sont superbes. Things that are super, super. Quand vous regardez les avions aujourd'hui, when you see the planes today, c'est super. It is super. Quand vous regardez les Lamborghini aujourd'hui, when you look at the Lamborghinis today, quand tu vois ces voitures là, when you see those cars, c'est super pour le monde. It is super for the world. Mais comment ils trouvent toutes ces choses? But how do they find all those things? C'est en copiant la supériorité des choses que Dieu doit faire aujourd'hui. It's by the super things that God must do. Dieu a besoin d'une foi super aujourd'hui. God is in need of a super faith. Il a besoin d'un peuple super aujourd'hui. He's in need of a super people today. De chrétiens parfaits. A perfect Christian. De mariage parfait. And a perfect marriage. C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. That is the age that we're living in. Et que le Seigneur nous aide. May the Lord assist us. À devenir ce qu'il veut que nous soyons dans cet âge. That we may become what he wants us to be in this age. Amen. Amen. Au courant de la semaine, and throughout the week, j'avais reçu l'appel de Pasteur Zakola. I received the call from Pastor Zakola. Et on a parlé de beaucoup de choses. And we spoke about a lot of things. Et on s'est donné rendez-vous qu'on se verra. And we gave an appointment pour que nous puissions parler. To meet so that we may speak. Et aujourd'hui, ils m'ont invité là-bas. And today they invited me there. Pour leur 25e année d'anniversaire depuis qu'Amen Tabernacle existe. For their 25th anniversary since Amen existed. Et je veux voir si j'aurai le temps d'aller là-bas l'après-midi, parce que je n'ai pas le temps. And I'm going to see if I go there in the afternoon because I don't have time. Mais je crois que juste après le culte, but I believe after the church, je pourrais aller au culte chez eux. I can go to their service. S'ils ont culte. If they have service. Ils n'ont pas culte. Donc c'est seulement 14 heures. So it's only 2. Là je suis obligé d'aller seulement 14 heures.
then they are going to. Alors, il m'avait demandé de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous aimez le pasteur Zapola? Nous aimons tout le monde. We love everyone. Et surtout quelqu'un qui a cru à ce message. And someone who believed in quelles this message. Que soient nos différences, no matter our differences, nous nous aimons. We love each other. Parce que Frère Branham dit because what Branham says, que le jour où vous saurez que vous aimez cette personne-là, the day that you know that you know that person, c'est quand quelque chose de mal lui arrivera. It's when something wrong happens to them. Alors vous comprendrez que vous l'aimez. Then you understand that you love them. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes bénis ce matin. And so this morning we are blessed. Par la présence de pasteur Antoine. By the presence of Pastor Antoine. Le pasteur Antoine, c'est un ancien dans ce message. And Pastor Antoine is an elder in this message. Et un grand serviteur de Dieu. And a great servant of God. Un homme de foi. A man of faith. Et nous l'aimons beaucoup. And we love him greatly. Je me rappelle quand j'étais malade. I remember when I was sick. Le jour où je devais aller à l'hôpital, hospital, quand j'ai vu que c'était devenu grave, when I saw it became worse, vers 5h du matin, towards 5 in the morning, la première personne que j'ai appelée, c'était le pasteur Antoine. The first person I called was Pastor Antoine. Je lui ai dit, priez pour moi. And I told him, pray for me. Amen. Amen. Donc, nous sommes bénis. So we are blessed. Avec son don. With his gift. Et ce matin, c'est lui qui va nous apporter la parole. And this morning he's giving us the word. Alléluia. Vous êtes prêts à recevoir la parole. Are you ready to hear the word? La parole, the word, c'est elle qui délivre. It's the one that delivers. C'est elle qui produit les miracles. It's the one that produces miracles. C'est elle qui produit les dons. And it's the one that produces gifts. Amen. Amen. Et il n'y a aucun don and there's no gift qui a plus de puissance que la parole de Dieu. There is no power than the word. Alors si God. Vous êtes dans l'expectative pendant que la parole est donnée, so if you're under expectation when it's being vous preached, recevez effectivement ce que vous voulez. You receive exactly what you need. Parce que le don de Dieu, because the gift of God, c'est la parole qu'il place dans la personne. It's the word he places in the person. Quand la personne s'abandonne à la parole, when the person surrenders to alors God, le don produit les miracles. Then the gift produces miracles. Et Frère Branham dit que c'est aujourd'hui que nous devons faire des exploits avec Dieu. That we must explore with God. Je vois aussi mes deux bien-aimés qui sont ici. And I see my two loving brothers here. C'est le frère Timothée, non? Le frère Peter. And his brother Peter. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Et mon cher frère, le caméraman. And my young brother, the cameraman. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Je vous aime beaucoup. And I love you greatly. Nous sommes dans la même équipe. We are in the same team. Et nous combattons un seul ennemi. And we are fighting one enemy. Et Satan. And it's Satan. Si Dieu ne peut pas faire des miracles avec nous, if God cannot do miracles with us, alors nous avons échoué. Then we have failed. Parce qu'il a fait des miracles avec ceux qui n'avaient pas la parole que nous. Because he did miracles with those that he never. Le message de Branham est parfait. The message of Branham is perfect. Il produit Jésus. And he produces Jesus. Jésus dans sa plénitude. Jesus in his fullness. La manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. The manifestation of our Lord dans sa plénitude aujourd'hui. In his fullness today. C'est le message du temps de la fin. It is the message of the end time. Alléluia. Amen. Alors, nous allons chanter, frère Vincent. And so we will sing, brother Vincent. Je veux qu'on chante Maranatha. Le Seigneur revient. And I want us to sing Maranatha. Mais avant que le soleil réapparaisse, but before the sun can shine, c'est la lune qui donne la lumière. It is the moon that gives the light. Et nous sommes sa lune. And we are his moon. Amen. Amen. Nous sommes ses étoiles du matin. We are his morning stars. Et nous devons prier plus fort. And we must pray greater. Parce que le soleil de justice est juste. En train d'arriver. Because the Son of Justice is just arriving. Maranatha, alléluia. Maranatha, nous croyons de tout notre cœur. And we believe with all of our hearts. Que le Seigneur revient maintenant. That the Lord is coming back. Pendant que nous chantons cela, and as we are singing it, la Sœur va venir nous apporter la parole. And then will come and give us the word. Quand tu viendras ton vêtement sera-tu pur et
Seigneur. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le Fils. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia. Amen. Je sais que
Le pasteur Clément, c'est mon frère. And I know that Pastor Clément is my brother. Mon métier, pasteur Isaac Kalonda, c'est mon ami depuis le campus. He's my friend, Pastor Isaac. Amen. My friend since campus. C'est énorme qu'on a beaucoup travaillé avec lui. And Amen. We work with a lot. Et je suis chez moi. Amen. And I live in my house. Je sais comment l'œuvre ici a commencé. I know how this work started. Je suis très content. And I'm very happy. Voir ce que je vois maintenant. To see what I'm seeing right now. Amen. Aujourd'hui, today, nous allons vraiment un peu voir Jésus. Amen. We are going to see Jesus. Amen. Parce que le temps de prêcher est déjà passé. Because the time of preaching has passed. Ça, c'est le temps de voir Jésus. Amen. Now, amen. Jesus. Amen. Prêcher les brochures. We have preached the brochures many times. Prêcher les Bibles. We have preached the Bible many times. Les gens veulent voir Jésus. Amen. We want to see Jesus. Amen. Amen. Le message est de la fin. Because the message of the c'est end. Un nom. Is a man. Amen. Amen. Qui est Dieu sur la terre. Amen. Amen. Abraham dit. Abraham says. Je ne suis pas venu faire une église. I didn't come to start a church. Je ne suis pas venu faire une organisation. I didn't come to begin an organization. Je suis venu chercher une personne. Amen. Je peux prêcher la parole. And I can preach the word. Et il reçoit le Saint-Esprit. And he receives the Holy Spirit. Et il devient une nouvelle créature. And he becomes a true being. Et il manifeste le Saint-Esprit de Christ. And he manifests the words of Christ. Voilà l'église que Branham est venu chercher. Amen. Donc Branham est venu pour son message, c'est pour faire les petits dieux sur la terre. Amen. Ce n'est pas pour faire les doctrines. Ce n'est pas pour faire les grands hommes de Dieu. C'est pour faire les petits Jésus sur la terre. Alléluia. Parce que Branham, il est le grand lion. Il est le grand lion. Amen. Un lion doit mettre au monde des lions. Amen. Sa vie doit être dans l'église. Amen. And so Branham must be the church. Et que les gens étaient au Branham Tabernacle. As people were in Branham Tabernacle. Partout où il y a le message. Everywhere there is a message. La parole de Dieu viendra manifester le Saint-Esprit et la vie de Christ. Amen. The people of God will come and manifest. Amen. The people. Alléluia. Donc nous voulons vraiment. Je sens qu'il y a rêvé ici. And I feel that there is a rêvé. Moi-même je suis rêvé. And myself I'm in revival. Et je me rêvé. Amen. 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 I am your brother. Antoine Kabbalah. Antoine Kabbalah. Alors je suis le berger de Révélation Tabernacle. I am the shepherd of Revelation Tabernacle. Betrams. In Betrams. Donc Beth Valley. In Beth Valley. Aujourd'hui. And today. J'ai été honoré. I've been honored. Par l'homme de Dieu. By the man of God. De venir ici. To come here. Vous savez, ça c'est sa chambre. You know this is his room. Quelqu'un te donne sa chambre. And someone who gives his il room. Aime. Amen. He loves Amen. Him. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. 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 And I'm very happy. Que Dieu bénisse. May the Lord bless you. Comme je dois aussi aller prêcher dans mon église. As I'm also preaching in my church. On doit prendre la Bible. We need to take the Bible. Amen. Est-ce que vous aimez la Bible? Do you love the Bible? Amen. Prenons Apocalypse chapitre 8 verset 1. Let's take Revelation chapter 8 verse 1. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 8 verset 1. Revelation chapter 8 verse 1. Verse 1. Amen. Amen. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. When he opened the seventh seal, there was a silence in the heaven about the space of a half an hour. Apocalypse chapitre 10. And Revelation chapter 10. Verset 7 jusqu'à verset 1, commençons 7 jusqu'à 11. Let's start from 7 until 11. Amen. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à certains des prophètes. But in the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God shall be finished as he has declared to his servants the prophets. Et la voix que j'avais entendu du ciel, me parla de nouveau et dit, va, prends les petits livres ouverts dans les mains de l'ange. Ça, c'est moi et vous. Ah, c'est le plus Branham, c'est moi et vous. Branham, c'est verset 7. Et Branham, c'est verset 7. Now it's me and you. Et là, c'est vous et moi. Et la voix que j'avais entendu du ciel me parla, Antoine. And the voice that I heard from heaven spoke unto Antoine, va. And say, go. Clément va et prend le petit livre. Que Branham vous a laissé le message. And take the little book that God has left the message. Dans les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Wow. In the hand of the angel will stand upon the sea and upon the earth. Et nous. And we. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit,
prendre et avaler. Elle sera mère à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Amen. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book, and he said unto me, take it and eat it up, and it shall be thy bitter belly, and it shall be in thy mouth sweet as honey. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Elle fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. And I took the little book out of the angel's hand and I ate it, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as my tongues and kings. Amen. Amen. Vous savez que Jean signifie épouse, moi et toi. You know that John is a bridegroom. Amen. Amen. Nous lisons Luc 7:30. We'll read John. Luc 7:30. Luc 17:30. Amen. Amen. Nous lisons. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. And thus shall it be in the days when the Son of Man is revealed. And then we will speak. Sorry. Is it disordered? Okay, lisons Colossiens. Let us read Colossians. Chapitre 1, verset 25 à 28. Chapter 1. Verse 25 down to 28. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 28. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 25 to 28. Amen. Amen. Commençons avec verset 6. Yes, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Even the mysteries which has been hidden from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. And to whom God would have made what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Terminons avec Hébreux 13:8. And let's finish with Hebrews 13:8. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Jesus Christ is the same today, forevermore. Amen. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Nous savons que. We know that. Nous vivons le temps glorieux. We are living in a glorious time. Le temps de la perfection. The time of perfection. Paul, en son temps, disait. And Paul, in his time, said. À 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 et 10. In 1 Corinthians, chapter 13, he said. Que nous connaissons partout. À partir. That we know in part. Mais quand la perfection vient. When the perfect child, tout ce qui est passé va disparaître. All that is passion will disappear. Et Jésus quand il est sur la terre. And Jesus when came upon the earth. En Matthieu 5:48. In Matthew 5. Tu as dit. You said. Que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Oh Jésus. And in Jesus. Tu as dit à Jean 14:12. You said in John 14. Celui qui croit en moi. The one that believes. Les œuvres que j'ai fait. The works that I have. Lui aussi va les faire. He too shall. Et fera même davantage. And it will be helpful. Père bien-aimé. Nous sommes dans la perfection. We are in perfection. Et nous sommes réunis réellement dans la perfection du temps de la fin. And we have truly entered in the perfection of the end time. Paul a dit. And Paul said. En Hébreux chapitre 11. In Hebrews chapter 13. Que les morts. That the dead. Attendent. Are waiting. La perfection. For perfection. De l'épouse. Of the pour qu'ils puissent ressusciter. That they may be risen. Les morts. So the Christ. So the dead. Ils nous attendent. They are waiting. Pour qu'ils ressuscitent. Pour l'enlèvement. Oh Dieu. Oh God. Mais nous. May we. Qui devrons être dans la perfection. Who must be perfect. Qui devrons manifester le troisième coup. Who must manifest the death. Pour qu'il y ait la résurrection. That there may be a resurrection. Pour l'enlèvement. Nous sommes dans la distraction. We are. Père. Nous voulons te voir aujourd'hui, oh Dieu. We want to. Nous savons que tu n'es pas été mort. We know that you're not. Tu es God. Vivant. You are a living. Seigneur. Lord. Aujourd'hui. Today. Comment les gens seront que. Jésus est resté entre les morts. Comment les gens sauront que Jésus est vivant? That Jesus si ils ne le voient pas, if they don't see, ils ne peuvent pas croire. Il faut qu'ils voient des œuvres, oh Dieu. They must be aware. Pour la preuve que tu es ressuscité. For a proof that you have been risen. Je me l'ai dit. Brother Branham said. Que aujourd'hui, that today, nous vivons le mystère. We are living in the mystery. Qui est de la colonne de feu? Of the cloud of glory. Qui est de la colonne de feu? Of the pillar of fire. Pourquoi la colonne de feu retourne? Why is the pillar of fire return? C'est pour confirmer la parole. It's to confirm the word. C'est pour confirmer le Saint-Esprit. It's to confirm the Holy Spirit. C'est pour manifester le mystère du Fils de l'homme.
et tu manifestes des sons of men. Ministre. Oh Seigneur Jésus Christ. Oh Lord Jesus Christ. Viens notre secours. Be our aid. Écarte-moi. And remove me from the way. Laisse que je sois un canal. And let me be a canal. Parce que tu dois parler aux tes enfants. And you may speak to your children. Écarte mon frère. Interprète. And remove my brother. Oui, de même onction, Dieu. And anoint him of the same anointing. Qu'il soit un canal. That he may be a canal. Parce que tu vas interpréter. That you're going to interpret. Garde la foi de ce qu'on entend. For the faith of what we hear. Laisse qu'on laisse la parole de Christ, Dieu. It's on the word of God. And Lord, nous voulons voir aujourd'hui. We would like to see les malades être guéris. Les êtres délivrés, les êtres bénis, les êtres remplis du Saint-Esprit, and people feel et ceux qui ont dormi être réveillés. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te voir. We would like to see. Ce n'est plus le temps de prêcher seulement, car l'évangile ce n'est pas seulement prêcher, c'est démontrer Christ au Père, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens encore une fois, te manifester dans la puissance de la résurrection. In your power of the resurrection. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Priez. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. May the Lord bless you. Amen. Yeah. Je voulais te parler. I wanted to speak a bit. De Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Of Jesus Christ the same yesterday, today, forever. Ça c'est mon thème. Amen. That is my thing. Amen. 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 Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Jesus Christ the same yesterday, today, forever. Amen. Amen. Et je veux mon sujet sera Christ. And my subject will be Christ. Amen. Amen. Je vais parler de Christ. Amen. I will speak of Christ. Amen. Amen. Nous allons parler de Christ. We will speak of Christ. Parce que c'est le lieu d'adoration. Because it's the place of worship. Qui sait que Christ est le lieu d'adoration? Who knows that Christ is the place of worship? Il faut trouver là où il y a Christ pour adorer. Amen. You must find Christ to worship. Si tu ne trouves pas Christ, tu n'adores pas. Amen. If you don't find Christ, you don't worship him. Là où il y a Christ, là où on peut adorer. Amen. Christ is where we must worship. Et c'est là où il y a le nom de Dieu. Amen. And it's where there's the name of God. Et c'est là qu'on doit adorer. And it's where we must worship. Alléluia. Pour adorer, to worship, il faut découvrir là où il y a Christ. You must find out where there is Christ. Et là où il y a le nom de Dieu. Amen. And where there is the name of maintenant, God. Maintenant tu vas adorer en esprit et en vérité. Then you worship in truth and in spirit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez mes frères. You're going to do et mes soeurs. And my brothers. Jésus Christ. Jesus Christ. Nous parlons du Seigneur Jésus Christ. We're speaking of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mais écoutez. But listen. Jésus. Jesus. L'était le Christ. Was born Christ. Mais il est devenu véritablement Christ. But he became a true Christ. Le jour qu'on l'a baptisé. The day they baptized him. C'est le jour qu'il a la pleine de la divinité. Amen. So in the fullness of the deity. Il est devenu Jésus Christ. Amen. He became Jesus Christ. Amen. Amen. Maintenant. And now. Le jour qu'il est mort. The day that he died. Et il est ressuscité. And was risen. Maintenant Pierre. Now Peter. En Acts chapitre 2. In Acts chapter 2. Il dit ceci. He says this. Le Jésus là que vous allez crucifier. The Jesus Christ that you crucified. Dieu l'a fait Seigneur. God has made him Lord. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que so you understand Jésus maintenant Dieu l'a fait qui Seigneur. Amen. That God made Jesus Lord. Que nous devons adorer. Amen. That we must worship. Dieu a fait Jésus Seigneur. God makes Jesus Lord. Maintenant Seigneur Jésus. Now Lord Jesus. Il est assis à la droite du Père. Amen. He's sitting on the right hand side of God. Et président pour moi et toi. Amen. He's presiding for me and you. Mais Christ. But Christ. Est descendu sur la terre. And came down upon the earth. Christ est descendu sur la terre. Amen. Christ came down upon the earth. Pour continuer le travail du Seigneur Jésus. Amen. The work of the Lord Jesus. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Christ est descendu. Christ came down. Sous forme du Saint-Esprit. In the form of the Holy Spirit. Pour continuer le travail du Seigneur Jésus. Amen. That's the work of the Lord Jesus. Parce que so then, le Seigneur Jésus ici. The Lord Jesus. Vous ne le verrez plus avec ses cicatrices ici. You won't see with this wound yet. Vous le verrez sous forme de Christ maintenant. Dans des hommes et dans des femmes. Amen. Il est en train de décéder. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais Christ, Saint-Esprit, il est dans l'épouse. Amen. C'est pourquoi il était descendu. That's why he came down. Du temps des apôtres. In the time of the apôtres. Et on a vu les œuvres de Christ au premier des apôtres. Alléluia. Et ils ont écrit le livre des actes. Amen. They wrote the book of Acts. C'est pourquoi vous m'avez dit. That's why Brother Il y a un livre qui est incomplet dans la Bible. There's a book that is incomplete in the Bible. C'est le livre des actes. The book of Acts. Les hommes du Saint-Esprit. The author of the Spirit. Alléluia. Moi et toi. Me and you. Nous devons compléter le livre des actes. We must fulfill the book of Acts. Par les œuvres de Christ au travers de nous. Amen. By the words of Christ. Aujourd'hui. And today. La bénédiction du Saint-Esprit. The name of the Holy Spirit. La bénédiction du Saint-Esprit. The full Holy Spirit. Est descendu. And came down. Et nous sommes dans la perfection. And we are in perfection. Donc Christ. So Christ.
manifeste. Comme le Seigneur Jésus. Et le Lord Jesus. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est venu pour nous. Il vient voir Christ en train de se manifester sur la terre. Il m'a fait quoi qu'il te plaît. Parce que c'est lui qui fait ses œuvres en Jésus Christ. Because the one that worked in Jesus. C'est un Christ. Amen. C'est lui qui travaillait en Jésus. He's the one that worked in Jesus. Alléluia. Aujourd'hui. And today. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus. C'est la colonne de feu. He's the pillar of fire. Et un Christ. And Christ. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. À toi et moi. Amen. You and me. En train de continuer le service. Continue the work. C'est pourquoi. That is why. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Qui est le Seigneur Jésus. That is the Lord. C'est la colonne de feu. That is the angel of the Lord. Il est en tout. Il est en train de faire le nom. Pour continuer l'être de Dieu. Pour continuer le nom. C'est pourquoi je suis ici. Christ est en moi. Christ is in me. La colonne de fer. But the pillar of fire. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Il est aussi comme la colonne de fer. Yes, the pillar of fire. Pour accomplir ce que j'ai dit. Alléluia. C'est pourquoi la colonne de fer est venue aujourd'hui. The pillar of fire came today. Pour confirmer là où il y a Christ. So the Lord Jesus, la colonne de fer, the pillar of fire, est descendu aujourd'hui. They came down to the colonne de fer, in the form of the pour confirmer là où il y a Christ. To confirm where is Christ. Parce que c'est Christ qui doit continuer son œuvre. Because Christ must continue. Alors on doit voir Christ. And so we must see Christ. Là où il y a Christ. And where is Christ? Là où il y a l'adoration. It's where is worship. Là où il y a Christ. Where is Christ? Là où il y a le miracle. It's where is miracle. Là où il y a Christ. Where is Christ? Là où il y a le Saint-Esprit. It's where is the Holy Spirit. Là où il y a Christ. Where is Christ? Là où il y a le changement. It's where is change. Là où il y a Christ. Nous avons des dons dans nos églises. We have gifts in our churches. Il y a même des gens qui n'ont pas les
personnes d'esprit d'Allah. There's even people who don't have the Holy Spirit in their soul. Mais non, sont des saints. But when they are not in their soul, they're vrais. Il faut des miracles. Même si ils n'ont pas reçu l'esprit d'Allah, even if they don't have the Holy Spirit in their soul, ils ont utilisé l'esprit conscient. They are not using the consciousness. C'est là où il y a les dons. It's when they speak. C'est pourquoi il y a des pasteurs. And that's when they speak. They don't have the Holy Spirit in the soul. Ils ont les dons ministériels. But then they have the gift of the ministry. They are not in the ministry. And they preach mystery. But they will never be born again. Dans l'âme, il n'y a rien. In the soul, there's nothing. Comment vous saurez? How will you know? C'est pas le fou. It's by the fruit. Pas le fou. They are like the fruit. You can discover. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. That this is the anointing of the Holy Spirit. Il n'a pas la personne du Saint-Esprit dans son âme. But they don't have the person of the Holy Spirit in their soul. Alors, nous voulons vous prêcher. We want to preach. Comme les œuvres du Saint-Esprit. And the words of the Holy Spirit. Par l'onction de Dieu. By the anointing of God. Et nous voulons aussi vous prêcher. Comment recevoir le Saint-Esprit? How to receive the Holy Spirit? Parce que because vous pouvez être guéri aujourd'hui. You can be healed today. Vous pouvez être délivré aujourd'hui. You can be delivered today. Vous pouvez avoir des bénédictions. You can have blessings. Vous pouvez avoir l'argent. You can have money. Mais votre âme, but your soul, c'est là le problème. It's where the problem lies. C'est pourquoi nous voulons que vous soyez guéri. We want you to be healed. Nous voulons que vous soyez béni. We want you to be blessed. Et nous voulons que vous soyez sauvé. We want you to be saved. L'âme doit avoir le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Et nous devons que vous ayez le Saint-Esprit. Là, vous saurez qu'il y a Christ ici. Alléluia. Et il y a Christ ici. Parce que le pasteur de l'église, c'est le messager de cette église. C'est l'ange de son église. Là. Quand vous découvrez ce mystère là, vous allez adorer par votre pasteur. Worship by your pastor. Parce que l'adoration se fait par Christ. Because adoration is made by Christ. En Christ. And in Christ. Est-ce que vous comprenez? Adoration se fait par Christ. Adoration is made by Christ. Et se fait en Christ. And in Christ. Et pour Christ. And for Christ. Donc quand vous découvrez votre Christ, so when you discover your Christ, vous aurez l'adoration parfaite. You will have a perfect worship. Et vous serez tranquille. Amen. And you will be calm. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Amen. It's what we have today. Amen. Là où il y a Christ, where there is Christ, il y a la vie. There is life. Là où il y a Christ, where there is Christ, although you must pass by the grace of grace, justification, you must be sanctified, and you must be baptized by the Holy Spirit. Now then you enter the pyramid, in the mystical body of Christ. There is no statue of the pyramid. Now you enter that pyramid. So you begin with the faith of Christ, but you are in a baby in the pyramid. Brandon says that you are a Messiah. Amen. And
your past is yet. He's a little mess. Amen. He must be there when? Because he's a little mess. Christ. Amen. Maintenant, comment tu sais ça? Brother Bram says this. Le prophète. The prophet. De tous les âges. Of all the age. Ils étaient de Christ. They were Christ. Ils étaient de Messie. They were little Messiah. Amen. Moïse était Christ dans son temps. And Moses was Christ in his time. Amen. Messie dans son temps. He was Messiah in his time. Jérémie était Christ dans son temps. And Jeremiah was Christ in his time. Ézéchiel était Christ dans son temps. Ezekiah was Christ in his time. Tous ceux que vous connaissez là. All the ones that you know. Ils étaient Christ dans leur temps. They were Christ in their time. Mais avec la portion de la parole pour leur temps. But with the portion of the word for their time. Amen. Ils étaient Messie pour leur temps. So they were Messiah for their time. Ils étaient de Christ pour leur temps. They were Christ for their time. Parce qu'ils étaient oints pour ce temps-là. Because they were anointed for their time. Et les gens qui avaient découvert Moïse. And people discovered Moses. Ils avaient découvert Christ pour leur temps. They discovered Christ for their time. And they discovered the worship for their time. And so their message brought them in the true worship. The people discovered Jeremiah. And they discovered Ezekiel. They discovered Christ of their time. They discovered the Messiah of their time. But by him, son message amène les gens à l'adoration véritable. He brought the people to the true worship. Il avait un nom. He had a name. Quand il s'est révélé à Moïse, when he revealed himself to Moses, il était de sur la terre. He was de sur la terre. He was the lawmaker. The lawmaker. Quand il s'est révélé à Jésus, when he revealed to Jesus, il était rédempteur. He was the redeemer. Celui qui devait racheter. The one that had to redeem. Quand il s'est révélé à Noé, when he revealed himself, il était la type pour le monde. He was the type for the world. Parce que Noé était né, because the Noah was born. Dixième après Adam, after Adam. Dixième après Adam, Adam. Thessalonians chapter 4 verse 4 verse 6
verset 6. Parce que nous savons, nous allons comprendre comment Christ doit se révéler. Parce que vous êtes entouré aujourd'hui. Because you must worship him. En esprit, en vérité. In spirit and in truth. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 4. Chapitre 4. Chapter 4. Verset 16. Alléluia. Est-ce que vous croyez la Bible? You believe in the Bible? Ne vous en faites pas, les citations, j'en ai beaucoup, je vais écrire. Do not worry about quotations. J'ai même des grâces à la BCC. Amen. Amen. Mais je voulais d'abord poser quelque chose avant d'atterrir là où je vais atterrir. But I want to leave first something before I reach where I want to be. Amen. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Chapter 4. Tu peux lire, mon frère. Verset 16. Verset 16. Amen. Tu peux lire. For the Lord himself shall descend Amen. From heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Amen. La Bible nous dit, the Bible says, car le Seigneur lui-même, dans sa plénitude, Amen. The Lord himself in his fullness, a un signal, donc, a écrit donné, à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ resteront premièrement. Amen. 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 Maintenant, and now, nous allons parler de la révélation de Christ aujourd'hui. Amen. We will speak of the revelation of Christ today. Amen. Amen. Le message, the message du temps de la fin, of the end time, c'est le septième sceau. Is the seventh seal. Nous nous prêchons le septième sceau. And we are preaching the seventh seal. Si vous dites, nous prêchons le septième sceau. If you say what are we preaching, we're preaching the seventh seal. Amen. Amen. Notre message est le septième sceau. Our message is the seventh seal. Et dans le septième sceau, and in the seventh seal, il y a trois choses. There is three things. Il y a le septième. There is the seventh diamond. Il y a le troisième poule. There is the dead poule. Et il y a la venue de Jésus Christ. And there is the coming of the Lord Jesus. Et quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 16, and when we read 1 Thessaloniciens 4, il y a aussi trois choses. There is also three things. Il y a cri de commandement. There is the shout of la voix de l'archange. The voice of the archangel. Et le son de trompette. And the sound of the trumpet. Vous voyez le septième sceau. You see the seventh seal. Il y a que trois choses. Amen. Il y a le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Maintenant, aujourd'hui, today, écoutez mes frères. My brothers, Jésus-Christ, Jesus Christ, devrait se révéler must be revealed dans le ministère in the mystery du Fils de l'homme, dans sa plénitude, et il devrait se révéler and he must be revealed comme le ministère de la plénitude. The ministry of the capital. Il devrait se révéler comme le ministère de la perfection. In the ministry of the perfection. Et là, comment? But how? Nous verrons de lire ici. We came from it here. Devrait se révéler comme le cri de commandement. He must first be revealed as the cry of Alléluia! And he touched for a brother. Comme le cri de commandement. And the shout of commandement. Et qu'est-ce que le cri de commandement? And what is the shout c'est of commandement? C'est le message de la fin. Alléluia! Tu as utilisé Frère Branham. Amen. Pour manifester ce ministère-là. To manifest the ministry. C'est pourquoi Frère Branham. C'est le Fils de l'homme qui a révélé le Fils de l'homme. Amen. He was the Son of Man. Oh. The Son of Man. The Son of Man nous révèle the Son of Man. Amen. Un Fils de l'homme qui a révélé le Fils de l'homme en peu plus. Amen. The Son of Man revealed the Son of Man. Et Dieu s'est révélé par le cri de commandement. Amen. The Son was revealed by the cry. Et nous avons le message dans la fin. And we have the message in the end time. Et il y a aussi la voix de l'archange. But there's also the voice of the Alléluia. Amen. Maintenant, c'est là où il y a le problème. And now there's the problem there. Maintenant, and now, Apocalypse chapitre 10. Revelation chapter 10. Verset 8 à 11. Verse 8 to 11. Prends le petit livre. He says, take the little book. Prends le cri de commandement. And take the voice of commandment. Mange. And eat it. Et maintenant prophétise. And then prophesy. Maintenant l'épouse. Another bride. Maintenant toi. And now tu dois manifester la voix de l'archange. You must manifest the voice of the angel. Et Christ était adopté sa voix de plus que l'archange. And the child and adopted kind of child. Voix de toi. Il dit ta voix est plus que la voix de l'archange. La voix de l'archange même, toi tu vas le faire même plus. Amen. For the voice of an archangel, you do even more. L'épouse de Christ. And the bride of Christ. Dans son entièreté. In his fullness. Il y aura maintenant le son de trompette. Now there will be the sound of the trumpet. Le troisième poule. The dead poule. Va se manifester. Will be manifested. Et les morts vont ressusciter. And the dead will rise. Maintenant ça se fait individuellement. Now it becomes individual. Comme la voix de l'archange. And the voice of the archangel. Comme je vous parle ici. And ça se fait en groupe. But it's not in group. Ça sera le son de trompette. It will be the sound of the trumpet. Pour maintenant avec Christ. Amen. Amen. And the people will rise. Amen. Amen. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. Maintenant écoutez. Now listen. Parlons maintenant. Let us speak. De l'adoration par l'épouse. Of the worship by the bride. Amen. Amen. Vous avez compris? We have understood. Tu as envoyé le prophète.
But c'est le prophète. Avec les cris de commandement. With the shout of commandment. Avec le message. Amen. With the message. Il a manifesté le Fils de l'homme. Amen. Manifesté le Son of Man. En tant que prophète, il a manifesté le Fils de l'homme. Amen. Par le discernement. By teaching. Et puis par la présence de la parole. Amen. And by the presence of the word. Et maintenant, l'épouse, moi et toi, les Éphésiens 4, moi et frère Clément, quel est notre travail? What is our way? Pour vous amener à adorer parfaitement. It's to bring you to worship perfectly. Amen. Vous voulez faire maintenant? Vous voulez croire ce que je vais dire? Amen. Qui va croire? Who will believe? Je vais lire faire maintenant. I want to read for the quand je vais lire, vous allez dire amen. You're going to say amen. Et maintenant, nous allons terminer. And we're going to go. Et nous allons prier pour le problème. And we'll pray for problems. Ce que je vais lire maintenant, what I'm going to read right now, c'est pour maintenant. It's for right now. Frère Branham est déjà parti. Is gone. Mais Christ est toujours là. La adoration doit être là. So the worship must be there. Give out.
Dieu cherchait à placer son peuple. And God is looking to place his people. Et quand Dieu place une personne, and when God places a person, alors l'église tout entière voudrait être comme cette personne-là. Now the entire church wants to become like that person. Avoir les mêmes genres de choses. Having the same kind of things. Faire la même chose. Doing the same thing. Nous sommes d'ailleurs différemment. What we are yet different. Nous sommes faits différemment. We are made different. Nous avons des natures différentes. We have different natures. Et nous sommes placés dans des positions différentes. And we are placed in different positions. Chacun pour un travail différent. Each one for a different work. Peut-être que, hein? Maybe one. C'est pour un genre de travail plus petit. It's for a little work. Amen. Et l'autre pour un travail de plus grand avec Dieu. And maybe the other one is for a greater work. Je pense que c'est David ou l'un des prophètes. It's David or one of the prophets. Je ne me souviens plus. I do not remember. Qui à ce moment qui a dit? But it's someone that said. Je préfère être un paillasson à la maison du Seigneur. I prefer to be like a dog posing the dog. Plutôt que d'être habillé sous le temple avec des méchants. Than to be in a temple with the wicked. Donc ça c'est la paix. So this is the God. Nous sommes différents. We are all different. Dieu nous traite différemment. And God made us. Et nous utilise différemment. And he uses us differently. Dieu ne va pas utiliser comme frère Branham. God will never use me like Branham. Branham avait un ministère particulier. Branham avait un particulier. Dieu ne va pas utiliser frère comme moi. God will never use Pastor Kevin. Parce qu'il a son ministère. Amen. Because he has his ministry. Dieu ne peut pas utiliser comme il a utilisé Jésus Christ. God can never use me as a user. Non. C'est là maintenant pas de que ça dépend de la paix de chaque personne. Now it depends on the call of every person. Et nous tous nous sommes dans le ministère de Christ. Amen. We are all under the ministry of Christ. Dans la brochure. In the brochure, the septième psaume, the seventh seals, prêché le 24 mars 63. Preached on the 24th March 63. On the 24th March 63. Paragraph 327. Paragraph 3. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, maybe the ministry that I've exercised, en essayant de ramener les gens à la parole, in trying to bring the people back to the word, a posé un fondement. Vous voyez ça? Has laid the foundation. Le message a posé le fondement. The message has laid the foundation. Et si c'est le cas, and if it's the case, je vous quitterai pour demain. Then I will go for good. C'est Branham maintenant qui parle. Amen. Branham speaking. Nous ne serons pas dès ici en même temps. We will not be here the same time. Si c'est le cas, if it's the case, nous allons croître. He will go. Moi, je vais diminuer. And I will go down. Et le message aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. And the message of the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui se fait Branham. Amen. The Holy Spirit. Le message aujourd'hui c'est le Saint-Esprit Christ lui-même. The messenger is the Holy Spirit Christ himself. Faut continuer. Branham continue. Question et réponse. Question and answer. Sur le saut. Upon the field. Prêché le 24 mars 63. Preached on the 24th of March 63. Question 22. Question 22. Paragraph 233. Paragraph 233. Est-ce que l'épouse de Christ aura? Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'avènement? When the bride of Christ had a ministry before the rapture? Bien sûr. Yes, c'est ce qui est en train de se passer à ce moment. It's what is happening right now. L'épouse de Christ. The bride of Christ. Certainement. Certainly. Ce message de l'Est. The message of this hour. L'épouse de Christ. The bride of Christ. Bien sûr. Yes, it is. Elle est construite d'apôtres. It is built as apostles. As a prophet. As a prophet. Des docteurs. As a doctor. Des évangélistes. As evangelists. Et des pasteurs. And pastors. N'est-ce pas vrai? Is it that right? C'est l'épouse de Christ. It is the bride of Christ. Bien sûr. Yes, it is. Elle a un ministère. It has a ministry. Un grand ministère. A great nous avons un grand ministère. We have a great ministry. Of perfection. Of the capstone. Alleluia. Alleluia. Amen. We have a great ministry. Alleluia. Of the Son of Man. Alleluia. Amen. Le messager du soir. The message of the evening. Prêchez le 16 janvier 63. Preach on the 16th of January. Amen. Amen. Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus Christ. And Son of Man is the Lord Jesus Christ. Remember that. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus Christ. The Son of Man is the Lord Jesus Christ. Dans la brochure. Le messager du soir. The message of the evening time. Prêchez le 16 janvier 63. Preach on the 16th of January. Paragraph 89. Paragraph 89. Par conséquent. And by consequence. Quand Dieu a envoyé ses prophètes. When God sent a prophet. Quand il a envoyé Paul jusqu'à Branham. When he sent Paul until Branham. C'est le messager du Nouveau Testament. It's the messenger of the New Testament. Il s'adresse à un seul homme. They are who they are. Qui voit ça? Il s'adresse aujourd'hui à Branham 5. They are addressed to Branham 5. They are addressed to one man. Et cet homme devait apporter le message. And that man must bring the message. Aujourd'hui, il y a une personne qui était à intéresser pour le message. And God has been interested in one person is Branham. Après, qu'est-ce qui va se passer? And after, what will happen? Après Branham, qu'est-ce qui va se passer? After Branham, what will happen? Il devait apporter le message. They must bring the message. Et à partir de ce message, de lui, de ce messager-là, d'autres allaient partout apporter le même message. And from this, the message will go to the
quartier général. He says, but there must be a general. Dieu a toujours mis un quartier général. Do not remain seated and doing nothing. Sondez, allez gagner une âme.
before. Faites quelque chose. Do something. Allez mettre vos lèvres. Go and put yourself in the way. Ne vous arrêtez pas. And there was no. Chers prédicateurs. Young preachers. Là-bas. There. Someone will bless you. Nous sommes trois brochures et nous allons. We will need three brochures and we stop. C'est ce que j'aimerais même que vous écoutez. And what now? Je vais prier pour vous. And it's what I want you to hear because I'll pray for you. Dans la brochure. In the brochure. Sa vie de l'homme parfait. The stage of a perfect man. Dans les trois, c'est ce que j'aimerais prier pour vous. And so this prayer, I would love to read it so that I can pray for you. Paragraph 58, Shekinah et 59. Paragraph 58 and 59. Shekinah. Shekinah. Jesus said. À ce jour là. In that day. Vous connaîtrez que je suis à mon père. You will not be my father. Et que le père est à moi. And the father is in me. Que je suis en vous. That I am in you. Et que vous êtes en moi. And that you are in me. Amen. Vous voyez? You see? Vous saurez comment Dieu est dans son église. You will know how God is in his church. 59. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Acclamons le Seigneur. The church must take the ministry of the Lord and continue it. Moi je crois ça. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. If you don't believe it, you don't worship. Dans la brochure. In the brochure. Apocalypse livre des symboles. Revelation, the book of symbols. Prêchez le 17 juin 56. Preach on the 17th of June. Paragraph 58. Paragraph 58. Shekinah. Toi qui es pasteur. And to the pastor. Lorsque il se tient ici sur le stade. When he stands here by the pulpit. En prêchant la parole de Dieu. Preaching the word of God. Il est un ange de Dieu pour cette église. Un messager pour cette église là. Un messager pour cette église là. And let's go pray. Le Lord Clément. Pastor Clément. Il est votre messager. Si vous êtes un ange de l'éternel pour vous. Si vous êtes un ange pour vous. Si vous n'avez pas eu cette révélation, vous ne serez pas béni. If you don't have that revelation, you won't be blessed. Maintenant, moi maintenant. Now me. Parce que je prêche maintenant. I'm preaching you right now. Qu'est-ce que vous aurez? What will you have right now? Parce que je prêche. Because I'm preaching right now. Right from now. Je ne suis pas votre pasteur. I am not your pastor. Je ne suis pas l'ange de cette église. And I'm not the angel of the church. Je ne suis pas de cette église. I'm not the messenger of the church. Je prêche maintenant pour moi maintenant. Je prêche maintenant. And now, brother, this is for those preaching you. Un visiteur. Un visiteur. Un prêcheur qui vous prêche. A preacher who's preaching. Dans la brochure. In the brochure. Sur ta parole. Upon your word. Seigneur, prêchez le 5 mars 48. Preach on the 5 of March 48. Paragraph 44. Ça c'est pour moi maintenant qui n'est pas votre pasteur. Now this is for you, not your pastor. Je ne suis pas votre pasteur. Amen. Who's not your pastor? Maintenant. And now. Pour vous débarrasser de ce tourmenteur. To remove that torment away from you. Pour vous débarrasser de maladie que vous avez. To remove that sickness away from you. Le problème que vous avez. The problem that you have. Les inquiétudes que vous avez. The worries that you have. Les péchés que vous avez. The problem that you have is for what is needed. Vous ne pouvez pas. You cannot. Vous ne serez jamais sauvé. And you'll never be saved. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. And you'll never receive the Holy Spirit. À moins que vous croyez la parole de Dieu. Unless you believe the word of God. Amen. Ne vous limitez pas seulement à la parole. Et l'homme qui vous la prêche. And the man who's preaching. Est-ce que je vous prêche la parole maintenant? Am I preaching the word of God? Croyez pour le moment à moi comme je vous prêche maintenant. Et vous ferez quelque chose maintenant. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. It's the way you receive healing the same way. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. Christ. Christ. C'est l'onction. Is the anointing. C'était un homme ouais. He was an anointing. Et quand quelqu'un vous prêche. And when someone preached to you. Et vous croyez. And you believe. Cet homme-là est ouais. Then that man is anointing. Vous aurez votre guérison. You will have votre délivrance. Your deliverance. Vous aurez le Saint-Esprit. You will have the Holy Spirit. Vous serez béni à l'immédiat. And you will have the Holy Spirit. Pour toujours. Dieu il est le Jésus. And Jesus is the I am. Dieu il est Jésus. He is the I am. Jésus Christ il est Jésus. Et Christ aujourd'hui il est Jésus maintenant. And Christ is the I am. Et il vous parle. And he's speaking to you. Parce que Christ est la parole. Because Christ is the word. Il est manifesté. And manifest. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. And today. On prêche ici. And I'm preaching. Si je veux prêcher la vérité. If I must preach the truth. La parole de Dieu doit venir confirmer ma parole. The word of God must come and confirm my word. Now before praying, lisons Mark 11. Let's read Mark 11. Avant de prier pour vous, lisons Mark 11. Before praying for you, let's read Mark 11. Verset 20. Verse 20-24. Vous croyez aussi la parole? You believe also the word? Je vais prier pour vous. I'll pray for you. Mais je vais poster quelque chose. But I want you to say something. Mark 11. Mark 11. Amen. Amen. Mark 11, 20-24. Alléluia!
Oh Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Le matin en passant, les disciples virent les figues séchées jusqu'aux racines. And in the morning as they passed by, they saw the fig tree died up and from the roots. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figues que tu as maudit à sécher. And Paul, calling to remembrance, said unto him, Rabbi, behold the fig tree which thy curses is withered away. Jésus prit la parole et leur dit. And Jesus answered them and said unto them, Ayez foi en Dieu. And faith in God. 23. Je vous le dis en vérité. And in very, I say to you, si quelqu'un dit à cette montagne, that whosoever said to his mountain, on doit donner, je connais la mer. Be thou removed and because of the sea. S'il ne doute pas dans son cœur, and shall not doubt in his heart. Quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. But believe that this thing shall happen to you. Amen. C'est pourquoi je vous le dis. And so I say, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà eu et vous le verrez s'accomplir. So you desire when you pray, believe that you have received it and you shall receive it. Hébreux 11:1. And Hebrews. Hébreux 11:1. Hebrews 11:1. Comme je dis, on doit prier. As you say, we're going to pray. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. And now faith is the substance of which we hope for, the evidence of things unseen. Amen. 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 My brothers and sisters, il y a trois choses. There are three things. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Mark chapter 11. La Bible nous dit. The Bible tells us. Demande une chose en prière. If you ask anything in prayer, toi qui te lies, believe that you have received it. Et il verra s'accomplir. And you will see. Tu lies au passé. Quand passé. You have received it in. Quand Jésus mourra la croix. When I died on the cross. C'est le temps qu'il a prié pour ta maladie. It's when you came for your sin. C'est le temps qu'il a prié pour ta bénédiction. It's when you came for your sin. C'est le temps qu'il a prié pour ton mariage. Pour tes enfants. Pour que tu aies le Saint-Esprit. That you may have the Holy Spirit. C'est pourquoi il croit que vous avez déjà eu ça. That's why you believe that you already have it because I pray. And you see the thing being manifested. Il y a trois choses. There are three things. Il y a demande. There is an asking. Il y a quoi? There is believing. Il y a accompli. And there is the fulfillment. Amen. The demand. Yes. C'est un désir. It's a desire. C'est une soif. It is a thirst. La soif. The thirst. Quelque chose. Is something that you don't. That you don't sleep. Tu fais quelque chose là de réel. You want that thing to be real. C'est ce qu'on appelle désir. That's what we call desire. That's what God said. The desire of your heart. But if you are here, there's nothing in your heart that you're looking with all your heart. That's why you have to ask. It means you have a thirst for something. And now believe. Croire, c'est quoi? Believe is what? C'est la passion de la chose là. It is the passion of that thing. C'est la révélation de la chose là. It's the revelation of that thing. C'est l'amour de la chose là. It's the love of that thing. C'est la préoccupation que tu as pour la chose là. It's the priority that you have for those things. C'est la conviction que tu as pour la chose là. It's the conviction you have for those things. C'est la motivation que tu as pour la chose là. And it's the motivation that you have for. Et la sincérité. And the sincerity. Qui doit motiver ta. You must motivate your prayers. Même quand nous demandons l'emploi, even when we are asking for work, on motive notre demande d'emploi. We motivate our asking for work. Pourquoi tu fais cette chose? What are you doing? Why are you doing those things? Frère Branham says, d'abord Dieu, first God, après l'église, after church, après ta famille, after your family, après toi, quatrième position. After you, what position? C'est pourquoi les gens ne reçoivent pas. That's why people don't receive. Motive de prière. Branham says the motive of prayer. C'est pourquoi tu veux être guéri. It's why you want to be healed. You must be motivated. Pourquoi tu vas mal? Why you want to have? C'est vrai, je vais payer ma dîme. Je vais payer mon écoute. D'abord Dieu. Je vais venir à l'église après. I will come to church anyway. Un frère. A brother. Il est venu me voir. He came to see me. Frère Antoine. Oh brother Antoine. J'ai un problème. I have a problem. Je veux avoir la voiture. I want to have. La voiture. I want to have a car. Mais je n'ai pas d'argent. But I don't have money. J'ai seulement 20 000 euros. I only have 20,000. Amen. Amen. Mais la voiture là c'est 60 000. But that car is 60,000. J'ai dit frère, qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture là si Dieu te donne? What do you do with the car that God gives you? Frère Antoine, tu vas commencer à transporter les frères qui sont dans mon quartier, je les amène à l'église. I'll bring the people in my town to church. Tu as motivé ça qui? You motivated me well. Agenouille-toi. Seigneur Jésus Christ, Lord Jesus Christ, prends la voiture. Give him the car. Et le lendemain, and the following day, on l'appelle. La voiture de 60 000 là. The car of 60,000. Et tu viens payer 20 000. They say, come and pay. And you got the car. Maintenant. Now. Chap 11. Chap 11. The devil came. Il a commencé à prendre les gens de son quartier. He said, taking the people of his place. Tiens, and God put him in trial. Pour que les gens deviennent orgueilleux. So that those people become prideful.
trop c'est trop. No, enough is enough. Tu vois? I say, you see. Et quand il est devenu au sortir, and when he also became blind, il a perdu la voiture. He lost the car. Tout dépend de la motivation. All depends on your motivation. Vous connaissez Docteur Moïse, il est à chaque fois passé du haut. You know, you know Dr. Moses. Il était à l'hôpital. He was in the hospital. Une femme qui avait le sida pendant 17 ans. Someone pendant 9 ans. And someone had HIV for 9 years. Alors, il était au point. And so she was in the end of what? Frère Moïse me connaît bien. And Brother Moses knows me. Vous la connaissez, non? You know him. Il m'a appelé. He called me. Il a parlé à cette fille. And he called his speak, he spoke to him. Tu souffres beaucoup de sida comme ça, tu vas mourir, il n'y a plus moyen. He says, you're suffering a lot with this HIV, you're going to die. Mais si on prie pour toi, tu acceptes la prière, tu acceptes. He says, but if I pray for you to accept. Il a dit, il y a quelqu'un, je vais l'appeler, il va prier pour toi. He says, there's someone I'm going to call to pray for you. J'étais endormi, il m'appelle. And I was sleeping, he calls me. J'ai dit, est-ce qu'elle est là? I said, if oui, she's there. Elle est là, il souffre de sida depuis plus de 9 ans. He says, yes, he's there, he's suffering from HIV. Est-ce qu'il croit Jésus Christ? Oui, oui. I said, do you believe Jesus? Est-ce qu'il croit Jésus mort pour toi? Oui, oui. Do you believe Jesus? Est-ce qu'il croit Jésus? Est-ce qu'elle est là? Oui, oui. Do you believe Jesus? Est-ce qu'il croit Jésus? Sida, c'est un démon? Oui, oui. And you believe HIV? Est-ce qu'il croit que démon? Dieu nous donne le pouvoir de chasser les démons? And you believe God? Et tu es le diable? Oui, oui. She says yes. Si Jésus te guérit de sida, qu'est-ce que tu vas faire? And if Jesus heals you of HIV, what will you do? J'ai des enfants, ça prend même des soins, mais tes enfants sont mal. Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Allez le chose de tes enfants. I say, move the thing of your children, not beautiful for God. Vous connaissez l'histoire? You know the story. Comment je vais aimer Dieu? Je vais love God. J'ai dit, Frère Moïse. I say, Brother Moses. Prends ton mouchoir. Take your handkerchief. Mets sur cette femme. And put on that woman. Frère Moïse, c'est pas vous le connaissez. Ton père Moïse. L'onction est descendue sur moi. And the anointing came upon me. Et la fille s'est levée à l'hôpital. And the lady got up from the hospital. Et l'animal, on a fait les examens, 100% guéri. And the woman did the examination. She was healed. Et l'état se voit. And now they. Et là, mais tous les gens de ce monde sont venus. Il m'a appelé pour me voir. He called everyone for HIV to come and see. Moi, je disais, n'agis pas comme ça. I said, no, God does not. C'était sa foi. He was so. Lendemain, elle est devenue petite. She had become. Elle dit, moi, j'ai souffert sans boyfriend. Maintenant, elle vit une vie. And people who conceive she's living in a pure life that you cannot believe. Alléluia. Vous voyez comment les gens font. Do you see how they? Je suis allé prêcher à Port Elizabeth. I went to preach in Port Elizabeth. Vous connaissez non? And I believe you know. J'arrive à Port Elizabeth. I arrived at Port Elizabeth. J'ai parlé au pasteur de Port Elizabeth. I spoke to the pastor there. Non, nous sommes venus. And we came here. On peut commencer une œuvre de réveil. We can start a revival work here. Le pasteur l'a dit. And the pastor there tells me. Je peux même nommer son nom. I can even mention his name. À quel réveil? My wife is there with diabetes, is dying, revival. Tu peux prier que tu sois guéri si tu sois réveillé. He said you can preach, must be healed if you are revival. Parce que moi, je vais me mettre. Pourquoi tu dédaignes Dieu comme ça? Toi, il m'a fait un message. I say, why you hate God and you have a message? C'est quand vendredi, je suis âgé de prier. Why just by the way? I live in Dieu, prends-moi, nous allons à l'hôpital. I say, immediately take your message. Il a dit, moi, allez, viens, tiens. I said immediately we're coming. No, I should be the director of assurance. He's a director of an assurance company. I said, brother, telephone. Bring me your phone. Je vais un audio. I'll send you a voice note. Envoie ta femme à l'hôpital. And send your wife in the hospital. Hallelujah. Amen. Il a cru. He believed. J'ai envoyé l'audio. And I sent sa femme à l'hôpital. Elle est guérie. Je vais prendre son témoignage. She got healed. I can give you. Hallelujah. Mon frère, il y a un frère de Nigeria dans mon église. And there's a Nigerian brother in my church. Amen. Sa mère en Nigeria. The mother there in Nigeria. Son père. His father. Yeah. Once the mother had it. Et on a pas occupé les maintenant vivant là-bas en Nigeria. They didn't catch a leg, she's now living. C'est pas lui les gens qui me soutiennent pour moi. And those people are supporting me today. Il y a un monsieur qui était avec le cancer. There was a man. J'ai conclu là-bas. Ici à Johannesburg Hospital. There was a man in cancer. Flop 33. Johannesburg Hospital. On a dit de retourner pour mourir. They say go back, you're going to die. Je pense que vous entrez sur le website, vous allez voir son témoignage. And I believe if you go to the website, you see the testimony. Et là, il dormait comme ça. Now he was sleeping like this. Et il voit dans son songe. And he sees me in his dream. Il ne me connaissait pas qui. He didn't know me well. On lui donne quelle adresse. They gave him an address. Et mon nom. My name. Quelle adresse de l'église. And the address of the church. Je prêchais. Brother. Je prêchais. Nous étions dans la grande salle. Oui. J'ai mon frère Moïse qui vient. Comment tu fais frère Moïse? I see, but my frère Moïse was coming. Il y a une femme dehors ici, ça ne va pas. And there's a woman outside, it's not well. You must see. Pourquoi? I said, why? Mon mari. My mari aujourd'hui. Yes, on a condamné un homme mourir avec un sel qui sent la vie. They said he will cancel the blood. Il t'avait dans le son. He saw you in the dream. On lui a dit. And he told you to go to l'hôpital. That you go in the hospital. Tu poses la main. You lay your hands on him. Il sera guéri. And he's going to be healed. Wow. So go. Tu vas l'envoyer au Stéphane. Mais si c'est Dieu, il sera guéri. Si c'est Satan, lui a montré, il sera pas guéri. If it's God, it's right. If it's Satan. J'ai dit frère Moïse. Je montrerai pas un militant. And I took. Nous sommes partis à l'hôpital. Tu as l'espoir. We went to the hospital. Je l'ai trouvé là-bas. I found him there. You, my soul. I saw you. Me.
You in my dream. Je le Seigneur. I said, Lord. Je ne prie pas. I'm not praying. Il m'a dit, si c'est toi qui sois guéri. He told me this evening. Nous sommes à l'église. Dimanche, il est venu à l'église témoigner. Il est vivant, il est là. Et nous allons quitter. Ne crois même pas. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. So mais vous le dire quoi? Jésus-Christ est le même hier que pour toujours. Il continue à aimer. Elle est sida. Elle est cancer. Elle est diabète. Il y a cinq femmes, c'est-à-dire qui sont le mieux au monde. On peut donner mille témoignages, c'est pas bien. Mais je voulais seulement vous dire prêt. Moi je crois que Jésus est vivant. Et qu'il continue à faire le même miracle. On traverse ce sanctuaire. Amen. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Je crois que Christ est à moi. Et je crois que ma relation se fait parfaitement maintenant même. Parce que Christ est ici. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Si vous voulez le voir, il est là. Il est là présent. Il est là maintenant même. He's there even right now. Il est là. He's there. Nous sommes partis à Val. We went to Val avec mon frère. With my brother. Ma voiture s'est coupée. And my car broke down. La chose là s'est coupée. Le fait là s'est coupé. And something got broken. On a appelé le mécanicien. We called the mechanic. Il n'y a pas moyen. They said there's no way. J'ai dit ok. I said okay. Jésus il est le mécanicien. Jesus Christ is there. Frère Macron partout. Brother internet for us. Mais bon. Nous sommes venus, quelque chose a été réparé, des sommets de la voiture. Amen. La sœur Sharon qui a eu vie ici. Son enfant était mort à l'hôpital. He child died in the hospital. Il faut opérer, enlever l'enfant. They must operate and remove the child. Nous sommes partis. We went. La sœur Sharon. C'est Jésus récite les enfants. But Jesus Christ raised the child. Et tu crois? Non, le docteur a dit qu'on coupe, sinon je vais mourir. The doctor, tu ne crois pas? Oui, je crois. I said no, I believe. On a mis la main. We put the hand. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Donne la vie de cet enfant. Give life to the child. Et l'enfant, elle est allée à l'hôpital. Et l'enfant est à l'hôpital ici. Amen. Il est venu avec son enfant. Et si c'est comme le child. Il n'écoutait pas, il ne parlait pas, il ne marchait pas. He was in listening. Church is the temple dans mon église. And God is the teaching. On s'est mis là. My servant. Demande cette femme ici. Ask this woman. Quel nom est son enfant? What is the name of the child? You are there, right? And he told me, Chima. On s'est mis là. Cette femme ici, this woman, elle a le nom de cet enfant. When he came back to his child, elle a appelé son père à Pujima. He called the father in Pujima. Demande la vraie ou faux. Ask if it's true or false. Quand elle a appelé son père à Pujima. When he called the father in Pujima. Son père, le nom là c'est le nom de son père, vrai ou faux? Oui. The name of the father. Son père, il est sorcier. The father is a witch. Quand elle a dit papa, j'ai mis moi, j'ai donné le nom. Quand elle a donné Chima. Quand elle a dit oui, son père a pris ses paroles. When he said father gave him your name, the father took the word. Il a pris les paroles, elle a mis dans le Chima, dans le bout. He took that word and put it in a Chima. C'est pourquoi l'enfant est dans le bout. That's why the child quand il n'écoute pas, il can't hear, il parle pas, he can't see, il marche pas, and he can't walk. Et tu as donné la compète. And they gave him on s'est mis terre. He says, fais ça, fais ça, fais ça. Do this and do that. L'enfant, il a eu vie ici. Ce sont des pentecôtistes. And the child is in. Il marche, il parle, il a des voix. He is walking. It's a miracle. And they thank Jesus. We don't have time to speak. Il peut faire pour moi. Maintenant, même aussi. He can even do for you. I believe. Moi, je suis croyant. I am a believer. Je peux vous donner mille témoignages ici. I can give you a million testimonies. Parce que je peux donner mille témoignages. I can give you a million testimonies. Parce que je crois. Et je sais que j'ai rencontré Christ. And I know it. Et j'ai Christ en moi. And I know it. Et j'ai le Saint-Esprit. And I know it. Et j'ai Christ agit en moi. And Jesus met in me. Amen. Amen. Oh, God. Amen. Amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, 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 qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le menacé et moi je suis son malade. Oh, oh, oh. Il est mon général et moi je suis son favori. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Très bien pour vous, je parle. The one wants prayer, may you come here. Oh, laissez-la tirer, laissez-la.
Amen. 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 Amen.
Jesus,
I want you to come tomorrow. Softly. Moi-même, je serai à
Vous comprenez? You understand? Soyez un jeune, moi-même serai un jeune. Be fasting, and I'll be fasting as well. Je viendrai juste pour savoir le dire aussi. And I'll come in the afternoon. Vous soyez un jeune. So vous qui cherchez des prières, moi-même serai un jeune. Même un jeune, rien. You seeking prayer also okay? Fasting. Parce qu'il y a d'autres démons qui ne disent pas que je ne crois. Because there's other demons that just don't go. Soyez un jeune. Be fasting. Soyez un jeune. Je viens vous donner ce point. And I'll come in prayer. Que Dieu vous bénisse. And I'll bless you. Et l'ancien sera ici demain and the elder will be here tomorrow pour prier pour nous, to pray for us, pour prier pour vous, to pray for you, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il prie. Because it's God wants him to pray. J'ai eu deux songes hier. I had two dreams yesterday. Et le premier songe c'était à 2h26. And the first dream was at 2:25. Je vais lire seulement ce que j'ai écrit dans le songe. And I only read what I wrote in the dream. Et il était dit ceci. And it was said this. Un homme avait une plaie sur le pied. A man had a wound upon his leg. Et le pasteur Baruti avait prié. And Pastor Baruti prayed. Il n'y avait pas de solution. There was no solution. L'homme n'était pas guéri. And the man was not healed. Puis la voix m'a dit. And then the voice tells me. Comme il avait été donné ses dons. As it was given his gift. À William Branham comme à Paul. Et to William Branham as of Paul. Comme à Baruti. As of Baruti. Il t'a été donné ce don. It has been given to you the gift. Pour relever les défis. To challenge. Et je me suis réveillé. And I woke up. J'étais en train de dormir. And I was sleeping. Alors j'ai prié. And so I prayed. J'ai dit Seigneur. I said Lord. Si réellement tu es en train de me parler de ce que tu vas faire pour nous ici. If you are truly speaking about what you do for us here. Parle-moi encore. Speak to me again. Dans un autre rêve. In another dream. Alors à 5h11. So at 5:11. Puis Dieu d'abord m'a donné une écriture. First God gave me a scripture. C'était Sophonie 3. It was Sophonie 3. 15. 15. Il est dit l'Éternel a détourné tes châtiments. It says that the Lord has taken away your. Il a éloigné ton ennemi. He has removed your enemy. Le roi d'Israël. The king of Israel. L'Éternel. The Lord est au milieu de toi. You, tu n'as plus de malheur à éprouver. You have no misery to prove. Alors à 5h11, so at 5:11, j'entre dans un autre songe. I had another dream. Il est dit, nous étions dans une salle. It says that we were in an auditorium. Où nous venions de terminer la réunion. Where we came from concluding the meeting. On sort. We are coming out. Une planche tombe sur deux enfants. And once the ceiling falls on two children. Et les enfants sont restés coincés. And the children remain stuck. Je cours, j'enlève la planche. I go and I remove that ceiling. Les enfants sont blessés. And the children are wounded. Et ont des jambes cassées. And they have joints that are broken. Je prie et ils sont instantanément guéris. I pray and immediately they're healed. J'entre dans la salle. I enter in the auditorium. J'appelle leur maman. I call their mother. Elle court. She runs. Et elle va prendre les enfants. And she goes and take the children. Alors quand je me réveille, so when I wake up, j'ouvre la Bible. I open the Bible. Je tombe sur Psaume 89. I fall in Psalm 49. Dans Psaume 89. Then in Psalm 49. Dieu parle qu'il a choisi David. God speaks that he chose David. Pour l'utiliser comme son serviteur. To use it as his servant. Donc c'est exactement ce que vous venez de voir. And so it's exactly what you came from seeing. Donc c'est Dieu qui me disait. So it was God telling me. Que ne regardez pas à Paul. That do not look at Paul. Abraham. And Branham. Abaruti. Abaruti. Ce sont des très grands serviteurs. They are great servants of God. Mais le même don. But the same gift. Est au milieu de vous. Among you. Et quand vous voyez cela, and once you see that, c'est la plénitude du roi d'Israël. It is the fullness of the king of Israel. Qui est au milieu de vous. Among us.
Alors l'ancien reviendra demain. And so the elder will come back tomorrow. Pour continuer avec le service. To continue with the service. Et je vous avais déjà dit que nous serons en jeûne. And I told you that we'll be in fasting. L'ancien vous a dit soyez en jeûne. And the elder told you to be in vous fasting. Vous voulez voir des grandes choses. You're going to see great things. Suivez les instructions. Amen. Follow the instructions. Amen. Dieu nous a déjà élevés. Amen. God has already removed us. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ainsi. May the Lord bless you, elder. Merci beaucoup. Nous allons continuer à prier pour vous. We'll continue praying for you. Alléluia. Amen. Croyez de tout votre cœur. And believe with all your heart. Votre ennemi est à terre. Your enemy is killed. Le roi d'Israël, the king of Israel, celui que vous venez de voir, is the one that you came from seeing. Il est au milieu de nous. He is among us. Amen. Amen. Alors on va chanter un cantique. And so we will sing a song. Et puis, quel est le cantique qu'on peut chanter? And what is the song that we can sing? Et puis, on va sortir, on va prier pour sortir. And we'll pray to be dismissed. Demain, à 8h juste, tomorrow at 8 sharp, nous serons ici. We're going to be here. Pour toute la journée de prière. For the entire day of prayer. Prenez cela au sérieux. And take it very serious. Priez déjà chez vous. And pray already in your house. Dès qu'il est minuit. When it's midnight. Ne mangez plus. Do not eat anymore. Parce que c'est déjà l'autre jour qui commence. Because it's another day that begins. Et commencez à prier. And let's begin praying. Commencez à vous consacrer. Begin consecrate. Le projet que vous aviez là qui a échoué. The project that you have that has failed. Priez pour ça. Pray for it. Dieu a pris des gens de rien du tout du temps de Branham. God took people for who were nothing in the time of Branham. Et il a fait de ces gens-là des millionnaires. And he made those people millionaires. Il a fait de ces gens-là. He made those people des très grandes personnes. Great people. Mais c'est parce qu'ils suivaient les instructions de Frère Branham. But it's because they followed the instructions of Brother Branham. Si nous restons avec cette même discipline, and if we remain with the same discipline, nous verrons la même gloire de Dieu. We will see the same glory of God. Amen. Amen. On va chanter. We're going to sing. Il demeure, et puis je vais appeler l'honorable Moïse. Jésus, pour toujours, Jésus, pour toujours.